Est-ce que c'est votre dernier mot ? Oui, c'est mon dernier mot. Très bien. Découvrons ensemble la bonne réponse. Quelle mauvaise réponse. Non ! Pour vous. Ok. Quelle proposition désigne un célèbre dictionnaire français ? Le Petit Larousse. Allez, on va dire la réponse. Le Petit Larousse. Ah. Viewer, t'as pas l'air de vouloir écrire. Et cela paye, puisque c'est la bonne réponse. Qui a écrit le roman policier Mort d'un expert ? Colin Dexter, Agatha Christie, Patricia Cornwell, PD Jones. J'ai pas aucune idée. On va tenter. Allô ? Allô ? J'ai joué à ouais. Qui veut gagner des millions et en gros l'appel à un ami, et ben je prends quelqu'un dans mon téléphone et cette personne essaye de m'aider pour avancer. T'as pas choisi la bonne personne. Bah, on va essayer. Tu t'y connais en roman ? Pas vraiment. Je te lis la question. Qui a écrit le roman policier Mort d'un expert ? Colin Dexter, Agatha Christie, Patricia Cornwell et PD James. Colin Dexter, Agatha ouais. Christie, Patricia Cornwell ou P.D. James. Je crois que c'est P.D. James, il me semble. Allez, P.D. James. Arrêtez d'hésiter, je vais dire la réponse D. Et ce sera votre dernier mot ? Oui, c'est mon dernier mot. Le choix est fait. Quelle Wesh ! Cela bien paye, bien puisque c'est la Elle bonne réussi, réponse. Ouais. Je ne voudrais pas vous donner de fil à retordre, en théorie. Quel est le métier de Thomas Pesquier ? Astronaute. C'est un astronaute. Après, astrologue. Non, celui qui étudie les étoiles. Astronome. Non, lui, c'est astronaute. Je vais tenter la réponse C. Il était dans. Et ce merde, sera dans la votre station, dernier mot. Je crois que c'est astronome. Oui, c'est mon dernier mot. Le suspense est intenable. Où vous partez, à mon plus grand regret. Où vous restez, pour ma plus grande satisfaction. Vous n'allez faire qu'une bouchée de cette nouvelle question. Où la Coupe du Monde de football de 2022 est-elle censée se dérouler ? Au Qatar, aux États-Unis, au Danemark, en Chine, non ? À Paris. Ah mais attends, mais moi, ils foutent... Allô ? Allô ? Je suis en live Twitch sur Qui veut gagner des millions et t'es mon joker. Ouais. Et c'est une question sur du foot et moi, j'y connais pas et je sais que toi, t'aimes bien le foot. Ouais. Alors, je te lis la question. Où la Coupe du Monde de football de 2022 est censée se dérouler ? Qatar. Ah, j'avais pas eu besoin de dire les questions, les réponses. Ok, Qatar. Alors. T'es sûr ? Ouais, c'est le Qatar. C'est finalement okay, la question okay, que vous redoutez le plus de ma part. Bien c'est bien votre bien. Dernier mot ? C'est mon dernier mot. Ah ouais, le non, mais moi fait. Et le foot, c'est pour ça que j'ai pris un joke. Et c'est. Ouais, c'est ça. Merde. Une bonne ouais, réponse trouvée ça. En toute première. La partie se corse dès maintenant avec cette toute nouvelle question. Lequel de ces jeux vidéo a été réalisé par Hideo Kojima et son équipe ? Metal Gear Solid.
Bah, allez, quoi, on va dire la réponse A. Metal Gear Solid. Et ce sera votre dernier mot ? Et ce sera mon dernier mot. Le choix est fait. Metal Gear Solid. Et un panier de zéro. À quelle dynastie Charlemagne appartenait-il ? Les Mérovingiens, les Carolingiens, les Capétiens, les Moinskériens. Les moins que rien. What? What? Ça part en histoire, c'est pas pour moi. Un petit 50-50, là, histoire de... La prudence est de mise. Et par conséquent, ordinateur, veuillez retirer deux mauvaises réponses. Il va rester A et B. Non. Les... L'histoire en est nulle, désolé, bonne chance. Putain. Bon, j'ai une idée. On va passer un appel. Ouais. Ouais, Maxime. Allô. Bien et toi? Tranquille. Ouais. Je t'appelle, là, je suis en live Twitch sur Qui veut gagner des millions, t'es mon joker. Allez, dis-moi. À quelle dynastie Charlemagne appartenait-il ? Les Carolingiens ou les Capétiens ? Pour moi, c'est les... Carolingiens, c'est le certain. Ouais, ça doit être ça. Ouais, parce que l'autre, ça me dit rien. Carolingiens, Capétiens, je pense que c'est ça. Ouais. Ouais, Carolingiens. Vas-y, entends. Je choisis la réponse B. C'est finalement la question que vous redoutez le plus de ma part. On essaye. C'est votre dernier mot. Pour moi, j'avais un doute, mais oui, moi aussi j'étais plus penché sur celle-là. Donc, le choix est fait. Il est temps de découvrir la bonne réponse. On va tester. Hein. On n'est pas à ça près. Et c'est ça. La bonne réponse. Bien joué à vous. Que peut-on découvrir dans la grotte de Lascaux? Putain, ça me dit un truc, la grotte de Lascaux, en plus. Des peintures datant de la préhistoire, des sculptures datant de l'époque romaine, des gravures datant de la Révolution, des armes datant de la Seconde Guerre mondiale. Des peintures datant de la préhistoire ou des gravures datant... Je crois que c'est la préhistoire. Les grottes de Lascaux. Je crois que c'est A. A ou C? Des sculptures datant de l'époque romaine, je pense pas. A et... Ok. La A? J'hésitais entre les deux, mais ouais, je crois que c'est bien là. Je choisis la réponse A. On valide? J'ai un doute, hein. On valide ou... Aïe, 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 aïe. Ah, putain. Allez, allez, on valide, on valide. Vous n'attendez que cela, que je vous pose la question fatidique. Je le sais. Est-ce que c'est votre dernier mot? Alors allons-y. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est mon dernier mot? C'est mon dernier mot. Dommage, ils ont pas mis Foucault, là. Vous avez dit votre dernier mot? C'est le moment de découvrir la bonne réponse. Je m'y attendais pas, mais c'est effectivement la bonne réponse. Bien joué, bien félicitations. Bien. Qui a inventé la presse à imprimer en 1447? Mais pourquoi je suis tombé sur cette question, moi? Même mon perso, il en peut plus. Pascal, Einstein, Gutenberg, Christophe Colomb. T'es sûr, Max? Gutenberg? La Gutenberg, là? Le C, là? Et là, on est vachement loin, et il faut que tu sois sûr à 100%. Il faut pas qu'on perde tout de suite, là. Là, on est bien, là. Ouais. Et c'est le moment de se remettre en question, car je vous le demande. C'est votre dernier mot ? Oui, c'est mon dernier mot. Et le choix est fait. Et il est temps zéro... de découvrir la bonne réponse.
dans une musique, j'ai déjà entendu. Évidemment. Dans une musique, j'ai déjà entendu. C'était la bonne réponse. Oh, c'est super. Genre le mec, il a tapé son peura, il a dit ouais. La première imprimante a été inventée par. Passons désormais à la prochaine question. Aïe aïe aïe. Les questions se suivent et ne se ressemblent pas. La preuve. Laquelle de ces voix est la plus aiguë? Ténor, mezzo-soprano, baryton, basse. Je crois que c'est ténor. Mezzo-soprano. Pour moi, c'est vraiment le ténor. J'ai un dernier joke, hein. Public, ouais. À vos boîtiers. C'est maintenant qu'il faut voter. Ouais, mais moi, j'aurais dit ténor, mais on utilise le dernier joke. Allez. What? Le joke, il sert à rien. Il est inutile, le joker, là. Ils hésitent. Théma, ils ont même mis la basse. C'est n'importe quoi. Vas-y, il sert à rien, ce joke. Ton instinct avait raison aux autres réponses, en plus. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que tout à l'heure, je voulais Cardi B. Je pensais à Cardi B. Et... Allez, cette phrase est mythique, mais elle peut aussi devenir tragique. Est-ce que c'est votre dernier mot ? Oui, c'est mon dernier mot. Très bien. Découvrons ensemble la bonne réponse. Quelle mauvaise réponse. Ah non ! Non ! Allez, c'est pas grave, c'est le jeu après tout.